Bonjour, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne du Comic TV. Allons-y, on va découvrir la vidéo d'aujourd'hui. Deuxième série de la lecture pour les élèves qui souffrent de l'incapacité, qui sont incapables de lire les mots ou les phrases et aussi les textes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خصوصا المستوى مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء، خصوصا المستوى الأول ابتدائي والثاني ابتدائي والمتأخرين في مادة الفرنسية لا ليكتور خصوصا. إذن هذه سلسلة من فيديوهات للقضاء على مشكل لا ليكتور بشكل نهائي. هيا بنا نتعرف على فيديو هذا اليوم أيها التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم جوكم الكتيفي. On va commencer d'abord par la lecture des syllabes. Sa, as, ce, eus, si, is, so, os, se, su, so. Sa, as, ce, us, si, is, so, os, se, su, so. Maintenant, mes chers élèves, arrêtez la vidéo. Comme ça. Faites une pause. Lisez les syllabes et attendez la correction. Alors, j'espère que vous avez bien lu. Alors, suivez avec moi pour corriger vos fautes. Ça. Ça. As. As. Ce. Ce. Es. 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 Si. Si, is, is, so, so, os, os, se, se, su, su, so, so. Très bien. Alors, on passe maintenant à la lecture des mots, à l'aide des syllabes, bien sûr. Alors, on va séparer les mots en syllabes. Un, poids, poids, un, poisson, un poisson, un poisson. Un hérisson. Un hérisson. Un hérisson. Les serviettes. Les serviettes. Les serviettes. Un poisson. Un poisson. Un poisson. Un hérisson, un hérisson, un hérisson, les serviettes, les serviettes, les serviettes, une brosse, une danseuse, une danseuse. La cassette, la sucette, un poisson, un hérisson,
Les serviettes. Les serviettes. Une brosse. Une brosse. Une danseuse. Une danseuse. La cassette. La cassette. La sucette. La sucette. C'est bien. On continue avec les mots. Toujours, on sépare les syllabes. Une salade. Une salade. La caisse. La caisse, la caisse, la danse, passer, passer, la soupe, le poisson, ça me dit une bosse, un ours, ours, un ours, le soleil, la classe. La classe, la chasse, savoir, savoir, soir, soir, sortir, sortir, le sol, encore fois. Un poisson, toujours il faut me suivre, d'accord? Un poisson, un hérisson, suivez avec moi s'il vous plaît, essayez de lire. Un hérisson, les serviettes, une brosse, une danseuse, la cassette, la sucette, une salade, la caisse, la danse, passer, la soupe, le poisson, ça me dit, une bosse, un ours, le soleil, la classe, la chasse, savoir, soir, sortir, le sol. Alors, mettez une pause ici. Essayez de lire ces mots. Lisez, oui. Alors, c'est bien. Correction. Un poisson. Un hérisson, les serviettes. Vous avez bien corrigé, c'est bien. Mettez une pause ici, essayez de lire ces mots. Voilà. Une brosse, une danseuse. Mettez une pause ici, essayez de lire ces mots. Voilà.
la cassette, la sucette. Alors, mettez une pause ici, essayez de lire ces mots. Mettez une pause, oui. Encore une fois. Voilà. La correction. Une salade. La caisse. La danse. Passer. La soupe. Le poisson. Samedi. Une bosse. Un ours. Le soleil. La classe. La chasse. Savoir. Soir, sortir, le sol. Je lis le texte maintenant. Alors, cette fois, c'est le texte. Écoutez d'abord, puis lisez avec moi. Maintenant, l'écoute. Écoutez mon secret. Au fond de la forêt, tout près d'une rivière, se cache une sorcière. Qui vit dans une chaumière noire comme les enfers. Même si elle n'est pas belle, moi, je n'ai pas peur d'elle, car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Elle fabrique des choses étranges, mais elle aime les petits enfants, ce sont les grands qui lui font la guerre. Après l'écoute, maintenant la lecture. Essayez de lire après moi. Écoutez mon secret. Écoutez mon secret. C'est bien. Au fond de la forêt, c'est bien. Tout près d'une rivière, c'est bien. Se cache une sorcière. Qui vit dans une chaumière. Qui vit dans une chaumière noire. Qui vit dans une chaumière noire. Comme les enfers. Comme les enfers. Écoutez mon secret. Écoutez mon secret. Au fond de la forêt. Au fond de la forêt, tout près d'une rivière, se cache une sorcière qui vit dans une chaumière noire comme les enfers. Mettez une pause ici, essayez de lire. De écouter mon secret jusqu'à les enfers. Mettez une pause. Mettez une pause. Lisez. Voilà, c'est bien. J'espère que vous avez bien lu. Après la pause, maintenant la correction. Écoutez mon secret. Voilà, c'est bien. Au fond de la forêt. Tout près d'une rivière. Se cache une sorcière qui vit dans une chaumière noire comme les enfers. C'est bien. Alors maintenant, deuxième partie de la lecture, de même si elle n'est pas belle jusqu'à la fin, qui lui font la guerre. Alors, séparons les syllabes d'abord.
même si elle n'est pas belle. Même si elle n'est pas belle. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Elle fabrique des choses étranges. Elle fabrique des choses étranges. Mais elle aime les petits enfants. Mais elle aime les petits enfants. Ce sont les grands qui lui font la guerre. Ce sont les grands qui lui font la guerre. Mettez une pause, s'il vous plaît. Essayez de lire, même s'il n'est pas belle, jusqu'à qu'ils lui font la guerre. Mettez une pause. Essayez de lire. Voilà. J'espère que vous avez bien lu. Maintenant, la correction. Suivez avec moi. Même si elle n'est pas belle, moi, je n'ai pas peur d'elle, car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Elle fabrique des choses étranges, mais elle aime les petits enfants. Ce sont les grands qui lui font la guerre. C'est bien. Maintenant, tout le texte. Mettez une pause, essayez de lire tout le texte. Ça dépend, 5 fois. Si vous pouvez, 5 fois. Mettez une pause. Lisez plusieurs fois à haute voix. Voilà, c'est très bien. Je vous félicite. Alors, suivez avec moi pour faire la correction. Écoutez mon secret. Au fond de la forêt, tout près d'une rivière, se cache une sorcière qui vit dans une chaumière noire comme les enfers. Même si elle n'est pas belle, moi je n'ai pas peur d'elle, car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Elle fabrique des choses étranges. Mais elle aime les petits enfants, ce sont les grands qui lui font la guerre. Voilà, on vient de terminer. On a commencé d'abord par la lecture des syllabes, après les mots, et à la fin, un petit texte, on l'a lu, un petit texte. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo est bénéfique par la plupart, a été bénéfique par la plupart des élèves de CP ou CE1. Vous êtes maintenant capable de lire les syllabes facilement, les mots, les phrases et le texte. C'est bien, c'est ça notre objectif. C'est lutter contre les obstacles de la lecture de la langue française. Voilà, à très bientôt mes chers élèves.